les stats ne sont plus ce qu'elles étaient. Voilà les amis, je sais que ça peut peut-être vous choquer, je sais que vous pensiez peut-être que ça allait durer toujours. Moi, j'ai jamais pensé que ça durerait toujours. Salut les amis, et je vous retrouve comme chaque semaine pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube. Comme vous pouvez le voir aujourd'hui, c'est un petit peu différent. Déjà, on n'est pas dans le même décor, et en plus de ça, l'heure est grave et si grave que y a un dress code. J'essaie de rigoler avec ça, mais en fait, c'est pas drôle. Alors je vous présente la situation, mais d'abord, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Oh, ce qu'on va se mettre. Les amis, vous l'avez peut-être remarqué, les stats ne sont plus ce qu'elles étaient. Vincent peut vous mettre ici, là, des exemples, des stats de mes dernières vidéos YouTube qui sont démonétisées. Je fais plus les vues que je faisais au début, dans la première partie de l'année dernière. En plus de ça, c'est vrai que il y a un petit peu moins de travail sur les réseaux sociaux. J'ai deux crédits sur le dos. Donc, j'essaye de prendre ça avec humour. Mais l'heure est grave. Donc j'ai réfléchi, je me suis dit, est-ce que je trouve des nouveaux concepts YouTube? Donc j'en cherche des nouveaux, j'essaye. Bon là, les derniers nouveaux que j'ai essayés ont été démonétisés, ça a été compliqué. Je bosse, je brainstorm. Mais il faut quand même faire face à l'éventualité que la descente aux enfers se prolonge. Et malheureusement, si elle se prolonge trop longtemps, je n'aurai plus l'occasion de faire ce que je m'apprête à faire là maintenant. Il y avait aussi une autre solution qui m'avait été suggérée par Julien Bert, c'était de faire un faux couple et une arnaque sur mime, mais ça m'intéressait pas. Du coup, j'ai décidé de choisir, au moins en attendant, de trouver mon point fort qui était encore un certain rayonnement pour chercher un travail. Voici mon entretien d'embauche. Donc je me présente, je suis Bastien Grimal, alias Bastos sur les réseaux sociaux. Les diplômes que j'ai pu accumuler lors de ma scolarité sont le baccalauréat S avec mention assez bien ou bien, je sais plus, ça fait tellement longtemps. Et puis un diplôme, un double master en marketing du luxe et des cosmétiques et en finance à Kedge. J'ai eu mon diplôme, même si j'étais pas là pour le recevoir. Et c'est à peu près tous les diplômes que j'ai. En ce qui concerne mes qualifications professionnelles, mon parcours. Alors j'ai fait plein de petits boulots, promeneur de chiens, j'ai fait l'ostréiculture, j'ai travaillé dans un garage automobile, j'ai fait du tuning sur des voitures de luxe, j'ai été serveur, barman, coach check, j'ai fait la guest list à l'entrée de clubs et de soirées de la mode, j'ai fait des relations presse dans la mode, j'ai fait du marketing stratégique pour une petite boîte de vêtements, j'ai été vendeur dans le luxe, chez Louis Vuitton, mais aussi dans le sport, chez Intersport, j'ai été host, un peu au-dessus de promoteur. J'ai été manager de catering, donc de manager de serveur. Je l'ai fait qu'une ou deux fois parce que j'aimais pas trop avoir des responsabilités sur les autres et devoir les gronder. Enfin, j'ai fait de la télé-réalité, ce qui m'a apporté une grande valeur du travail et une grande éthique. En ce qui concerne la télé-réalité, c'est plus un plan de carrière pour moi. Je dois vous avouer un truc. Au nouvel an, j'ai pris le prétexte de souhaiter la bonne année à mon ancien producteur, Benjamin Giazzi. Je lui ai dit bonne année, je lui ai demandé de me remettre dans les 50. Il m'a répondu uniquement avec un smiley qui rigole. Je pense que c'est plus une option. J'ai été aussi chanteur. J'ai à mon actif 4 ou 5 chansons sur Spotify. Plusieurs centaines de milliers de vues, peut-être même plus d'un million. Paris scintille et tombe la neige. Moi, tout ce que je veux, en fait, c'est... Je gagne Miss France. Mais je sais pas vraiment bien chanter. C'est un petit peu grâce à mon producteur, Hugo Nogam. Si vous voulez l'employer pour un métier dans la musique, je pense qu'il en cherche aussi. Ayant tout misé sur moi en cette année 2022. Enfin, je suis devenu créateur de contenu sur beaucoup de plateformes, et en particulier sur YouTube, ce qui m'a valu le statut de youtubeur. À travers ma carrière de youtubeur, j'ai aussi appris à monter des vidéos, mais mon niveau n'est pas suffisant pour monter les vidéos d'autres youtubeurs. Je me suis arrêté au niveau minimum, me permettant de juste monter mes lives et faire quelques zooms, mais je n'ai pas persévéré. J'ai décidé de déléguer, ce qui m'a valu encore des pertes financières. Gargantuesque. Aujourd'hui, ce parcours professionnel n'a pas été suffisant, car je suis à la dèche. Je suis donc au chômage et je cherche un travail. En ce qui concerne mes centres d'intérêt, j'aime bien divertir, j'aime bien la mode. Je pense que ça
ça se voit. J'ai de bonnes connaissances dans le marketing et la communication digitale, puisque j'ai travaillé pendant des années sur les réseaux sociaux, ce qui m'a valu d'en arriver à ce point-là. Donc, pas suffisant, j'imagine. Par contre, je suis un bosseur, j'apprends vite, mais je reste très superficiel. C'est-à-dire que je n'aime pas du tout me spécialiser. Pour moi, la courbe d'apprentissage de n'importe quelle activité, et donc d'un métier par exemple, est logarithmique. C'est-à-dire qu'on progresse très très rapidement au début, et puis après, il faut vraiment se spécialiser et faire énormément de sacrifices dans le temps pour progresser. Donc j'aime bien commencer quelque chose de nouveau, mais j'aime pas trop me spécialiser, persévérer, me perfectionner. Le perfectionnement, c'est vraiment pas mon truc. Je suis un mec très superficiel. J'aime bien le fond, mais je soigne pas la forme. Cependant, je suis extrêmement motivé et quelle que soit mon activité professionnelle, je travaille très dur. Je pense que mon échec actuel est plus dû à la conjoncture qu'à un manque de travail, un manque de zèle de ma part. Je sais quand même reconnaître mes erreurs lorsque j'en fais et j'ai du recul sur mon manque de travail et mon manque de motivation. Comme vous avez pu le voir dans mes dernières vidéos, je suis très intéressé par le monde du porno, mais il est hors de question que j'y travaille. Non pas parce que mon sexe est trop petit ou parce que je n'ai pas assez de libido, mais plutôt parce que c'est un domaine qui me dégoûte du sexe à long terme. J'ai vraiment envie que ça continue à être juste un plaisir. Donc il est hors de question que je me lance dans la pornographie. Comme j'ai pu le prouver par le passé, j'ai aussi une connaissance plutôt approfondie en termes de sex toys. Certains connaissent le contenu de cette armoire. Ça pourrait aussi être une reconversion. Je m'imagine bien vendre des sex toys. Enfin, comme centre d'intérêt, j'adore les plantes, mais je m'y connais pas encore beaucoup. Je ne demande qu'à apprendre. Les métiers donc que je vise, j'adorerais travailler dans un jardinland. Dans un jardinland. Les métiers donc que je vise sont des métiers liés à la communication digitale, liés aux plantes. J'aimerais beaucoup travailler dans un magasin de plantes ou de cactus. Quand j'étais petit, je rêvais d'être surveillant de hangar avec un bon PC pour pouvoir jouer toute la nuit à World of Warcraft pendant que je surveille le hangar, mais c'est plus dans mes plans. En vrai, maintenant que j'y pense, c'est vrai qu'il n'y a pas énormément de trucs qui me font vraiment kiffer, étant donné que j'ai toujours été très superficiel avec tout, c'est-à-dire que j'ai des tonnes de cordes à mon arc, mais aucune spécialisation, bah c'est compliqué d'en faire un travail. À un moment, on m'avait proposé d'être enseignant à l'ESG, de faire plusieurs conférences par mois, d'enseigner la communication digitale et les réseaux sociaux. C'est un truc que j'aimerais encore beaucoup faire. Comme reconversion, j'ai aussi envisagé vendeur dans un magasin d'électroménager. J'ai vu que Rafoupeps avait fait ça. Je me dis que ça peut être... je pourrais suivre ses traces. Si vous avez des propositions dans ces domaines-là, eh bien, n'hésitez pas à m'envoyer un message par mail dans ma bio. J'ai eu déjà une offre. C'était de la part d'un salon d'esthétique du Sud. Un truc un petit peu de cagole. J'ai refusé l'offre d'emploi, même si ça aurait pu être cool. J'avais l'impression que la boss du salon attendait de moi beaucoup plus que de juste travailler. Il y a aussi Dylan Thierry qui m'a fait une offre d'embauche en tant que son garde du corps parce que apparemment il craindrait pour sa sécurité et il s'est rendu compte que il savait pas se battre. Je pense pas avoir les compétences physiques pour exécuter un tel travail. Ne croyez pas que je n'ai pas tout donné pour réussir. Ne croyez pas que c'est fini. Si je le fais pas maintenant, d'essayer de rechercher un travail et que tout s'écroule, j'aurai plus rien. Et j'aurai pas l'opportunité de chercher un travail avec ma chaîne YouTube. Du coup, je le fais maintenant. Si on me propose un travail cool, genre un mi-temps, enseignant, vendeur dans une boutique de plantes, j'irai le faire. Je continuerai à faire des vidéos YouTube. Attention, je dis pas que j'arrête. Je dis pas que je prends ma retraite. Je continuerai à faire des vidéos YouTube. Je continuerai à penser à des concepts pendant le temps même que je gagnerai de l'argent. Et du coup, peut-être que j'observerai en 2023 un rebond de l'affluence de mes chaînes YouTube et du coup, une remontée de mes revenus. Mais pour l'instant, je suis inquiet. Du coup, je préfère assurer mes arrières, préparer un plan B, préparer une reconversion professionnelle. Et je pense que vous en conviendrez, c'est le bon choix à faire. En tout cas, les amis, si ça s'arrête dans pas longtemps, sachez que je vous remercie d'avoir été à mes côtés pendant cette aventure. J'ai jamais pensé que je ferais ça toute ma vie, comme d'ailleurs à peu près tous les jobs que j'ai toujours fait. Voilà, j'apprends, je kiffe d'apprendre quelque chose de nouveau, d'essayer d'être le meilleur. Après, je sais que je vais me lasser et je sais que j'ai envie d'avoir une autre vie
un autre travail, etc. Ça me fait une petite émotion, mais comme vous voyez, j'ai pas peur. Voilà les amis, je sais que ça peut peut-être vous choquer, je sais que vous pensiez peut-être que ça allait durer toujours. Moi, j'ai jamais pensé que ça durerait toujours. Maintenant, ça veut pas dire que j'arrête. Je continue les vidéos YouTube, mais si la descente aux enfers continue, eh bien, il faudra avoir un parachute. Pas doré, mais disons un parachute en toile, quoi. En tout cas, les amis, cette aventure a été incroyable. J'espère qu'elle n'est pas finie. Si elle se finit bientôt, merci, parce qu'on a vraiment passé des super moments ensemble. On a vraiment kiffé. J'espère que je vais trouver un travail vraiment stylé. Si vous sentez que vous êtes un embaucheur potentiel pour moi, eh bien, les amis, mon email est dans la bio, juste en dessous, là. N'hésitez pas à m'envoyer un email et à me faire part de votre offre. Et si je suis intéressé, j'y répondrai par une lettre de motivation, par mon CV. Et j'espère que nous pourrons, à l'avenir, travailler ensemble dans les meilleures conditions. Bon, les amis, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que vous êtes intéressés par mon profil. Et si vous ne l'êtes pas, les amis, eh bien, un pouce bleu, souscrire à la chaîne, activer la petite cloche. Tout ça, ça aidera le rayonnement de cette vidéo. Ça m'aidera à trouver du travail. Donc, je vous en remercie d'avance. Je vous fais des milliards de bisous. Je vous dis à très bientôt sur ma chaîne YouTube. Ciao, ciao. Oh, ce qu'on va se mettre.